vont préparer quelque chose. Alors, tu vas voir que Bijou téléphone aux amis de Charlie. Mais Charlie, lui, il ne sait pas que c'est une fête surprise. Alors, il va aller chercher des amis pour jouer, mais tous les amis vont lui dire... Non. Oui. Il va être triste. Une fête surprise pour Charlie. Ça va juste être pour ça. C'est l'anniversaire de Charlie. Bijou téléphone à Belle. Peux-tu venir à la fête de surprise pour Charlie? Demande Bijou. Oui, je peux venir à la fête surprise, dit Belle. Je peux préparer un gâteau pour Charlie, dit Belle. Elle imagine déjà le château qu'elle va préparer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, mais là, mais c'est pour les céréales. Charlie. Il y a des os. Bijou téléphone à Gigi. Peux-tu venir à la fête surprise pour Charlie? Demande Bijou. Oui, je peux venir à la fête surprise, dit Gigi. Je peux apporter des ballons pour Charlie, dit-elle. Chaque année, prépare quelque chose. Voici Charlie. Il veut jouer avec Bijou. Viens jouer avec moi, dit-il. Je ne peux pas jouer avec toi aujourd'hui, dit Bijou. Charlie va chez Belle. Viens jouer avec moi, dit-il. Je ne peux pas jouer avec toi aujourd'hui, dit Belle. Ça, c'est parce qu'il y a un fait. Parce qu'il ne sait pas. Charlie va chez Gigi. Viens jouer avec moi, dit-il. Je ne peux pas jouer avec toi aujourd'hui, dit Gigi. Charlie est triste. Personne ne veut jouer avec lui. Je vais à la maison, dit Charlie. Surprise! Est-ce qu'on va aller chercher pour voir qu'est-ce qui arrive? Chaque ami a préparé. Et qu'est-ce qu'ils ont préparé? Ils ont préparé des gâteaux. Un gâteau. Une trampoline. Mais on pense que c'est une trampoline, mais c'est pas vraiment ça. Des ballons. Des ballons. Et en même temps, ils ont préparé un petit poème. Et on va aller voir s'ils ont préparé d'autres surprises qu'on ne sait pas encore. Belle a une surprise pour Charlie. C'est un beau poème. Un poème, c'est un petit peu comme une chanson. C'est quelque chose qu'on écrit avec des mots qui riment. Charlie est gros, Charlie est beau, Charlie est mignon, Charlie est un champion! Ça rime! Ça rime, c'est comme un petit poème qu'elle a préparé. Bravo! Crie Charlie. Merci pour le beau poème. J'ai hâte. Gigi a une surprise pour Charlie. C'est une belle chanson. Mon cher Charlie, c'est à ton tour
de te laisser parler d'amour. Je sais ça. Bravo! Crie Charlie. Merci pour la belle chanson. Est-ce que tu penses que Charlie aime son adversaire? Oui. Bye. C'était une belle fête. Sergueï a préparé une danse. Bijou a une surprise pour Charlie. Elle danse sur deux pattes. Ah! Bravo, dit Charlie. Merci pour la belle danse. Le gâteau dit Bijou. Est-ce que vous voulez chanter la fin de la chanson? Oui. Bonne fête, Charlie. Bonne fête, Charlie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Charlie. Qu'est-ce que vous pensez que Charlie? Qu'est-ce que vous pensez que Bijou va donner à Charlie en cadeau? Qu'est-ce qu'un chien aimerait avoir en cadeau? Je ne sais pas. Je choisis sur cette amie-là parce qu'elle a l'air là. Qu'est-ce que tu penses? Oh, on pourrait compter les chandelles sur son gâteau tantôt. C'est une bonne façon de savoir. Qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait recevoir en cadeau? Un os. Un os, on va aller voir si tu as raison. J'aime mon gâteau, dit Charlie. Merci. Est-ce qu'on compte les chandelles? Deux, petit. Deux, trois. Charlie a trois ans. Je sais pas. Ça, c'est son souffle. Voici un cadeau pour toi, dit Bijou. Joyeux anniversaire! Madame le crie fort parce que c'est écrit très foncé. Est-ce qu'on lui dit joyeux anniversaire, Charlie, les amis de Charlie. C'est quoi? Parce qu'elles sont très oranges. Merci beaucoup, mes amis. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? J'avais raison, c'était un os. C'était un os. Ou l'os. Un paille.